Et salut tout le monde, c'est Kirigaya, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis à Nîmes, comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai été voir une arène, et je vous avais dit que j'irais dans cette arène, l'arène de Nîmes. Et bah comme promis, je suis à Nîmes, mais au final mes parents ont encore décidé de pas aller dans cette arène. Alors du coup on ira dans aucune arène. Je suis vraiment désolé, mais les prix de ces arènes sont vraiment élevés. Alors du coup on est un petit peu tous dégoûtés, mais je peux vous dire que 40€ pour une simple visite, ça fait mal quand même. Sinon, là on se retrouve pour cette arène. Bon, je trouve qu'elle est un petit peu moins belle. Ça se voit qu'elle a. Celle-là elle a pas été rénovée, elle est grise, tout ça. Tandis qu'à l'autre arène, elle était vraiment la pierre lisse, graisse. Celle-là, je suis un petit peu moins fan, je vais pas vous mentir. Vous dites-moi dans les commentaires si vous la préférez comme ça ou pas, ça me ferait plaisir. Et là, on va aller voir un panthéon. Ils l'ont renommé la Maison Carrée. Alors je vais faire une petite ellipse de temps d'y aller et à tout de suite. Re tout le monde. Alors du coup, je suis arrivé au panthéon qui s'appelle la Maison Carrée. Mais bon, pour moi c'est un panthéon, ça reste un panthéon. Et il est très impressionnant. Par contre, le soleil, aïe. Merci. Il est vraiment très, très, très impressionnant. Non. Bougez du cadre, s'il vous plaît. Ça m'arrangerait. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, je le trouve hyper beau. On va aller voir en haut. Pour voir un peu ce qu'il y a. Par contre, je suis désolé, j'ai ma pochette. Elle fait encore des ciels. Ah, dommage, c'est fermé. Ah non, c'est ouvert. On va aller voir vite fait à l'intérieur. Et ça va être parti. Bon, attendez. On va faire la route ensemble. Ce sera déjà bien. Les marches, elles sont hautes. Ça a l'air d'être ouvert. Eh ben, alors ça, on peut dire que c'est de la porte. Pas ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup de portes. Là, il y a beaucoup de portes, n'importe quoi. La porte, je la trouve hyper, hyper grande. Bon, on va vite faire entrer dedans. Et c'est parti. Ah, ok. Ok, c'est une visite. Alors ça, je le croyais pas, les gars. Sachant que j'ai pas d'argent sur moi là. Aïe. Bon, je vais. Du coup, ouais, il y a ça quoi. Si vous voulez lire, je vous laisse. Je vous laisse faire pause par contre. Hein. Parce que j'ai pas tout mon temps. Sinon, en tout cas, je me demande si c'est bien l'intérieur. Mais voilà. Alors. Ah, par contre, j'avais pas vu le plafond. C'est très très joli. Ouais. Par contre, les piliers, ils ont beaucoup de structure. Je trouve ça hyper beau. Regardez. Si on voit pas très très bien. Là, regardez. Ça fait hyper hyper beau. Alors voilà. Bon, quoi qu'il en soit, je vais vous laisser ici. C'était Kirigaya, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse partager, mettre un pouce bleu, vous abonner et tout ce qui va avec. Et je vous dis, ciao ciao!